Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer l'aventure sur Palworld. Donc, comme on l'avait dit dans la précédente vidéo, on va faire en sorte de farmer entre les épisodes pour vous offrir du gameplay en termes d'exploration ou autre. Donc, à savoir qu'en termes d'exploration, on n'a pas était bien loin. On a juste été prendre certains téléporteurs, mais on n'a pas fait vraiment comme dans nos parties où on était parti jusque là et jusque là. À savoir que on a, comme je vous ai dit, farmé. Nous sommes quasiment tous level 20 sauf Morwen. Tac. Et du coup, on va vous montrer un peu ce qui a été fait à la base. Donc voici notre nouveau chez nous, qui a été fini et agrandi et mis en pierre du coup. Là c'est le ranch. Donc là on va en venir après d'ailleurs dans l'épisode, parce que on a préparé entre-temps, voilà, parce que c'est très long à faire, des gâteaux. Donc je vais les mettre ici parce que voilà, c'est pour la suite de l'épisode du coup. Mais en gros, du coup, on a l'orange, donc ça sert à accoupler les pales. Donc c'est une bonne chose. Entre-temps, on a eu un Chikipi shiny et un Lombol shiny. Et bien d'autres encore, parce qu'on a deux châteaux concernant les shiny. On a aussi une abeille qui a été prise tout à l'heure. C'est la Bigarde. C'est un poker, enfin un pal très compliqué, très chiant à prendre. Parce que dès qu'il est, s'il est trop près de vous, s'il est trop low, en fait, il vous pète à la gueule quasiment. Donc le but, c'est de lui mettre une flèche entre les deux yeux pour éviter qu'il explose. Donc celui-là, j'étais le prendre. Du coup, je voulais le prendre en vidéo, mais j'ai pas pu. Pour la simple et bonne raison que si je voulais préparer les gâteaux, s'il me le fallait. À savoir que les gâteaux, c'est méga long, même avec une tier 3, avec un pal de tier 3, c'était très très long. Donc, on a toujours les coffres, les établis un peu à droite, à gauche, comme n'importe comment. J'avais commencé à faire une base là-bas, mais du coup, on s'est résigné. Et vous allez voir pourquoi, je vais vous montrer après dans l'intro. Ici, on a continué nos plantations, donc melée et baie. Hormis ça, regardez tout ce qu'on a comme baie, donc on est vraiment bien. Le lait, les œufs, on commence à vraiment être aussi. À vraiment être pas mal du tout. Du coup, tac, attendez. D'accord, je peux pas mettre ça là-dedans, ok. Du coup, on commence à vraiment être bien dans tout. Il y a peut-être que les œufs qui commencent un peu à. Où ils ont du mal. À savoir qu'à l'intérieur, donc du coup, là, il y a plein de petites torches sur les murs. On a fait un petit truc assez propre pour le moment, assez simple. Donc à savoir que tout ce qui est en bas, c'est les ateliers, les établis, les trucs dans le genre. Là, il y a du coup des incubateurs pour les œufs. Parce que c'est vrai qu'on est 4, donc on prend beaucoup d'œufs. Parce que c'est aussi la roulette russe, qu'on va dire. C'est à tout moment, on pourrait avoir un bon œuf, quoi. Je vais attendre que l'autre là-bas finisse. Et ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais l'envoyer aider Fafi ici. Voilà. Là, atelier normal. Donc, on a tout replacé. Là, il y a atelier, du coup, des armes. Donc, pour le moment, on n'a pas grand-chose en armes à feu. Moi, ce qui m'intéresse vraiment de fou, c'est notre cher mousquet. Bah, dans un épisode, je l'ai. Je débloque en plus la poudre à canon. Et ça sera plutôt bien. À savoir que du coup, on a fait un autre étage. Donc là, on verra ce qu'on mettra. Ça sera peut-être le système de stockage. Et là, du coup, ça, c'est les chambres. Donc là, je sais que c'est la mienne. Voilà, j'ai mis deux, trois trucs intéressants, on va dire, que je vais garder pour moi. Pour l'instant, bon, elles sont pas décorées, rien du tout, parce qu'on n'a pas pris. On n'a pas pris le temps de le faire. Et après, là, c'est les chambres des copains. Bien entendu. Alors, à savoir que vu qu'on a eu. Avec le tour, on va dire. On a eu un léger petit bémol, je dirais. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc on a eu, en fait,
On n'a pas trouvé le système de faire des toits d'angle en fait. Donc on n'a pas. Attends, peut-être que c'est moi après qui suis mal fait. Mal fait, mais en tout cas voilà, on n'avait pas trouvé. Donc ce qu'on a dit, on s'est dit, est-ce que ça pourrait être une bâtisse un peu genre style forteresse. Voilà, où on vient ici et là, pff, on peut tirer. Ça fait un petit flow, moi j'aime particulièrement. Particulièrement ça. Donc on a du coup un petit peu fortifié ici. Et l'autre côté. Même si l'autre côté ça sert à rien en soi. Parce que là-bas, il n'y a rien qui peut descendre de là-bas en fait. Ça se finit ici là. Et en bas, ils peuvent pas descendre en bas. Après, à savoir, il y a un autre truc très important que je voulais vous montrer. C'est ici. Donc c'est notre deuxième camp qu'on a débloqué en améliorant le camp, le déjà le premier camp. Tac. Tac. Hop là. Donc, on a fait ce camp-là pour une simple et bonne raison. C'est pas pour avoir une base ou autre. Hein, c'est vraiment tout simplement. D'ailleurs, pourquoi l'oiseau il y est plus ici? Si, mais il faut autre chose là-bas. Il est en train de faire de la merde, lui. Voilà, il est en train de bugger. Je vais l'aider à débugger parce que Miskin. Je vais l'enlever et le réactiver. Tac. Voilà, donc à la base c'est fait pour faire le métal. Enfin, mais le métal et les lingots en grosse quantité. Donc c'est Fafi qui a eu l'idée. Donc comme vous pouvez le voir, on commence à avoir du bois à mort ici. Là, la pierre, c'est pareil, c'est un peu moins ouf d'ailleurs. Ah ouais, mais il y en a 2000. Ah ouais, d'accord. Ah, ah, ils ont charbonné les machins. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever elle et la remettre du coup pour qu'elle charbonne. Parce que j'avoue que elle en branle pas une. Donc voilà, c'est un peu le côté où on forme le métal à pleine balle. Donc avec Fafi, il a eu l'idée de on fasse ça. Donc du coup, on l'a fait. Ça n'a pas pris longtemps, en plus c'est assez rapide et dès qu'on a les pales nécessaires et suffisants, ça va assez vite en termes de métal. Hein, comme vous pouvez le voir, là ça fait une petite heure et demie de redire que ça tourne concrètement ici, tu vois. Là il y en a encore 72 à faire encore. Le problème là c'est que c'est la wyverne qui va venir allumer le feu, mais après ça c'est des trucs internes, on va dire. Et ça c'est assez petit. Problème. Donc écoutez les amis, on se retrouve avec les copains de tout à l'heure. On se retrouvera à deux du coup, mais parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent partir du coup, mais on se retrouvera à deux pour la suite de notre aventure. À tout de suite les amis. Du coup toi t'as utilisé un peu les spawns et les tortues. T'es les tortues que par les Fafi là. Tu Bah, il fermes. spawn dans le désert, quoi. Ah mais si tu où le désert? Bah, je l'ai pas trouvé. Il doit être en haut à droite de la map, je te dirais. Parce que en haut à gauche, C'est le c'est volcan? le volcan, tu vois. Même pas, il est pas en haut à gauche. Le volcan il est sur la gauche de chez nous, mais il est même en bas à gauche, je dirais plutôt. Le volcan. Le volcan là il est devant moi quasiment donc Oh, il y a un vaisseau pirate là? Non, c'est une tour. J'ai cru que c'était un bateau pirate, wesh. J'ai cru que j'étais sur Atlas. De toute façon, le but de cet épisode, c'est de se choper des tortues qui minent qu'ils ont son tier 3 en minage, c'est ça? Ouais. Ouais. Tier 3 en minage. Donc c'est pour ça que vous voyez que ma monture d'ailleurs qui découvre un peu la map. C'est ce que je fais, gros, je suis à droite, tu vois, mais pour le moment, bah. Du coup, moi je suis à gauche, mais le problème c'est qu'on découvre pas hein, les téléporteurs des autres potes. Ça fout le Non. seum.
C'est ça, mais bon. Après, ça faciliterait trop la vie, mais bon, quand même, ça aurait été bien d'avoir les téléporteurs des collègues. Parce que là. Je vais prendre le téléporteur. Tac. Au volcan là. Oh non. Ah mais c'est, je sais où on peut prendre le souffle, gros. Je crois que j'ai un caillou devant moi en plus. Un autre là-bas, c'est bien ce qui me semblait. Là, j'ai trouvé du soufre. Tu sais là où on était passé? Dans l'autre partie. Pour aller au volcan. Ouais. Ouais, bah du coup, j'ai trouvé le soufre. Mais le problème, c'est que je me dis que ça va faire peu pour faire des munitions, quoi. Ou alors, c'est multiplié par. C'est pas fou qu'on voit. Là, pour un caillou, j'ai eu 40. 40 soufre. Après, il y en a pas mal. Là, j'en vois qu'il y en a. Sur le rebord, il y en a énormément. En fait, c'est à la bordure du volcan, du coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même en prendre avec moi. Parce qu'on sait tous très bien que. On vient de débloquer le mousquet. Et le mousquet, c'est une petite. Dinguerie. Donc je vais essayer d'en prendre un peu. À savoir que. J'espère trouver des bons œufs là au niveau du volcan. Les amis, je vais au volcan. Là, à premier lieu, au volcan, c'est pour une chose bien particulière, c'est essayer de trouver. De bons pales, d'accord. C'est assez. Il y en a un en particulier que je veux et un deuxième que j'aimerais bien avoir. Mais bon, je vais pas vous spoiler ceux que j'aimerais bien avoir. Même si. Si normalement, c'est logique. Il y a certains là que j'ai. Mon objectif de l'épisode, c'est. La tortue du coup et d'avoir au moins les œufs des œufs de feu. Bon, peut-être pas ceux que je veux, mais au moins avoir un ou deux que j'aimerais bien avoir dans mes petits œufs. Ah non, s'il te plaît. À savoir que j'ai des œufs sur moi à faire. Faf, il a récupéré tous ses œufs dans les. Ouais. Ok, parce que moi je vais arriver du coup avec. Des œufs après. Bon, pareil. Je vais arriver avec. Putain, j'ai une méga sphère. Pour le mammouth, ça aurait été insane. Je suis au bout de ma vie. Je vais arriver avec 3 œufs. J'en ai 4, je crois, des mégasphères. Ah non, 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 Non. j'ai 4 gigasphères. C'est les rouges? C'est le jaune. Moi, j'ai une terrasphère. Et Gigasphère, j'en ai qu'une, mais après ça, je m'en bats les couilles. Je peux les craft. C'est pas un problème. D'ailleurs, normalement. Ouais, bah, vu qu'on vient de débloquer le mousquet, forcément, avant, on a. Il y a un shiny là. Il y a un shiny. Non. Chenille, je veux l'entendre. Ah, mais c'est encore un. Un lambol, putain. Tu meurs, tant pis, tu crèves pas. Tant mieux. What? Depuis à quoi un lambol, c'est électrique?
Hop là. On l'embauche ici. T'as tous les téléporteurs du feu ou pas? Non, non, non. Je vais essayer au moins d'en prendre deux. Je me suis pas spécialement aventuré. Hyper profond, tu vois. Après là, normalement, on peut faire les trucs réfrigérants, non? Pas encore. On a quasiment le même level, du coup. Ce serait bien de voir. Parce que, oh, un Léviator. Un Léviator? Ouais. Ce jeu que c'est quoi ça encore? Un vrai de vrai ou... c'est la version pâle? Ah mais attends. J'ai envie de cramer, faut vite que me taille vers le bas. Ah t'as fait un stream. Faut me le dire parce que j'ai pas les novtifs vu que je suis j'ai la OBS de lancer. Oh encore une terrassière. Putain je suis refait. Ah oui mais c'est un boss. Ah ouais, bah bon courage. Ah j'avoue qu'il a l'air énervé. Ah lui ça sera un... Ouais ouais. Ça sera un épisode à lui tout seul, c'est quoi? Oui gros. Lui avant Macrocky, il a pas beaucoup d'HP, il a que 4000 je crois. Ouais, 4000 HP tu vois. Attends. Attaque. Oh mais amène-le pas vers moi. Oh, je viens de faire une connerie. Je viens de faire une connerie. En plus c'est un typo. Non. Allez. Salut mon pote. À la prochaine. Le problème c'est que je suis sûr que je l'ai pas. Si ça allait là-bas. J'ai essayé de lui mettre une flèche, gros. J'ai vu les dégâts de la flèche, j'ai fait bon, allez. Allez, ciao, bande de losers. Ok. Il n'y a pas des... Bon, oh là-dedans, il faut... faut notre armure, en fait. Dès qu'on aura l'armure... Et les autres, tu les as trouvés où, les autres feux? En longeant la plage? Ouais. Là, j'en ai un ici. Allez! Oh là là... Tac, deuxième. Ah, oh, plus lui, c'est un gros, je crois. L'inventaire est plein. Ça dégage. Ça dégage. C'est la première fois que je me retrouve dans le jeu avec l'inventaire plein. Hein. Je tiens à le dire, à le préciser quand même. C'est important. Il m'a repris les œufs, ce con. Allez. Mais. Hop. Comme ça, vous me casserez plus les yox. Gros œuf chaud. J'espère que ce sera une petite pépite.
Non mais même là ça passe pas. C'est mal codé là, mon truc. Faut faire qu'il fasse un truc là. Non, il n'y a pas. Et où t'es en train de monter vers la droite? Yep. Toujours pas de désert? Non, et je vois de la neige donc. Ah ouais, bah le désert c'est peut-être en haut à gauche du coup. Il est complètement con, ce putain de piaf. Peut te faire monter en l'air. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite ellipse et on va essayer de se retrouver plus loin. On va essayer de voir où on peut trouver le désert du coup. Ouais, les amis, je reprends la vidéo maintenant. Parce que Serenity avait trouvé d'ailleurs le désert très peu de temps, je crois, après que je fasse l'ellipse. Mais j'ai eu quelques petites difficultés au niveau du volcan. Et du coup, on a trouvé Serenity, on a trouvé le désert. Du coup, j'ai suivi la petite flèche qui m'avait mené vers Derrière le. toi, Ouais, je sais, mais il y a la statuette là. Il y avait la. J'ai suivi le truc. Oh, mais gros. Oh, t'es level combien là? 42. Oh, ouais, non, je cherche même pas alors. Non, Pourtant, oh, gros, je crois que c'est quasi mieux que ce qu'il y avait dans le volcan. Et il est énervé, tu crois? ouais. Ah ouais, arrête de faire la folle, toi. Comment? J'ai envoyé une tornade devant, l'autre il a envoyé une deux de feu, gros. Voilà. Je te provoque, moi, mon gars. Ah, mais du coup, il fait chaud, gros, non? Oh! Quoi? Bah, il m'a one shot mon piaf. Aïe, coup dur. Du coup, pour les tortues, gros, ça va être compliqué. C'est du level. Là, il y a un level 32. En plus, il fait chaud. Ça va être hardcore. Je suis en train de caner de chaud là. Y a un œuf. J'ai chopé un œuf. Alors attends. C'est quoi ça comme minerai? Ça peut que du fer. Non, ça c'est du charbon ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Dans l'eau. Oh là là. Après, c'est peut-être pas con de. Juste. Longer le bord. Je suis dans la flotte. Tiens, il faut qu'on se regroupe. Ah, de toute façon, on peut pas y aller. On peut pas y aller encore. Alors moi je peux hein. Même dans la flotte, moi j'ai chaud comme y a pas. T'as pris ta tenue Et j'ai ma tenue normale. de contre la chaleur. Bah non, je l'ai pas. Tu m'en as fait une? Moi je pensais que t'avais le craft.
Ah d'accord, super. Donc tu t'en avais fait une et tu m'en as fait une. Mais Super. moi, gros, je l'ai depuis longtemps, tu vois. Bah moi je l'ai pas depuis longtemps. J'ai jamais vu, c'est ce que je disais. Je l'ai dit 10 fois gros, comme quoi il faudrait qu'on se fasse une tenue pour aller au volcan même quand il y avait Fafi, hein. Ah putain. Bon bah faut que je rentre à la base m'en faire une. Moment on sait où c'est. Au moins ouais, le téléporteur il est là, on pourra y retourner rapidement. J'ai pas un... tac, c'est dans l'atelier de toute façon. Tac. Non moi j'ai vêtements en tissu, attends peut-être que je l'ai pas débloqué. Tu l'as pas débloqué, tu me le dis. Hein. Habit traditionnel des montagnes et habit traditionnel des tropiques. Je l'avais pas, je l'ai débloqué. Ok. Je vais faire celle qui protège contre la chaleur du coup. Tropique. Et on va y retourner, les amis. Mais même si on y retourne, en vrai, je te dis, enfin je me dis, ça va être vraiment, vraiment, vraiment chaud. Pour en avoir un. Hein. Pour avoir même ne serait-ce qu'une tortue, on va lâcher notre deck, hein, je te le dis. Hein. Yep. Le deck entier va y passer, hein. Ouais. Un peu froid, on va remettre des trucs réfrigérants. Bah, let's go de l'allée. Du coup, je vais pas voler là-bas. Si, je vais voler. J'allais prendre mon vrai deck, mais J'ai pour juste jouer fait comme le ça. piaf pour voler, tu vois. Ouais, pareil. Bon, normalement, il est pas dans mon deck celui-là. Moi non plus, mais vu que... C'est un peu la petite bite du quartier, donc alors des tortues. Putain, mais il y a encore tout ça là-bas. Il y a encore. T'as vu la zone qu'il y a derrière là-bas? Ouais. Level 35, ça je vais éviter. Un électrique dans l'eau. D'accord. Oui, on aura tout vu. Suzaka. Non, Suzaku, pardon. Il est trop beau. Ça se trouve, c'est un. Comment c'est d'ailleurs que c'est des légendaires? Je suis pas sûr qu'il y ait de... Bah, à part les shiny, tu vois. Ah, gros, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de légendaire. En vrai, hein. Ça me paraît très vrai. Mais alors, vraiment très. Très bizarre, d'une aride. Alors moi, ce qui m'intéresserait, monsieur... Ah, il y a un Dinosum là, mais... Dinosum Luxe, c'est quoi ça? Électrique? Ouais, du coup. Ah, du coup, en fait, c'est quasiment les mêmes pales, mais t'as une version différente, quoi. Oh! Là-bas, il y a un truc. Je sais pas ce que c'est, gros, mais il y a un truc là-bas. Putain, il y a un coffre, je vais aller le récupérer. Ouais, vas-y, vas-y. De toute façon, t'as vu dans quelle direction j'étais parti? Ouais, je suis derrière toi, de toute manière. Et je vois un téléporteur là-bas. Ouais, je vois pas qu'un téléporteur, moi. Et bon. Bah, c'est pas le téléporteur qui m'a fait prendre en premier, hein. Si toi tu vois le téléporteur, ça veut dire que là t'étais bizarre quand même. Moi, je vois un château. Aïe. J'adore, c'est qu'il te court pas après, t'envoies juste une boule. Une boule? Non, non, non. Ah, mais c'est une boule. Enfin, t'as envoyé une attaque et du coup, t'as eu plusieurs boules, mais autrement, c'est une boule.
sûr que les tortues, ça spawn dans ce désert? Les tortues, gros, c'est dans le désert, tu vois. Ah, je sais pas, hein, pour le moment. Alors attends, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Parlez, j'adore le feu, c'est dans sa forme, pas vous, j'aimerais. J'aurais parlé quand même avec un des années. Question de lui demande. Marqué. Enfin vivre comme des humains normaux. D'accord. En fait, parler, ça sert pas forcément à grand chose, j'ai envie de dire. Un jeu friendly, mais il y a quand même des canons à l'entrée de la ville. Mais non, t'inquiète pas, c'est friendly plutôt. T'es parti où, toi, là? Juste derrière le bâtiment. Allez, y a un colporteur. Je veux acheter. J'ai combien? 1500. D'accord. Vous avez rien qui m'intéresse pour 1500. Au revoir. Colporteur. Bonjour. Je veux acheter. Mais non! Tu peux acheter des petits vêtements. Si je veux, je peux acheter un t-shirt qui est un accessoire offrant une légère résistance à la chaleur. Pas mal, mais non. Je suis pas un pigeon, d'accord. Je suis pas les mecs que tu croises dans la rue, hein. Ah, mais c'est un biton, ça sert à rien, un biton. Et du coup, c'est ça le château. Donc, du coup, il n'y a rien d'autre que ça. D'accord. 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 Et du coup, je vais monter là-haut, gros. Tac. Alors, peut-être qu'on va échouer sur cet épisode à avoir une tortue. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Non, reviens là! Pourquoi tu veux me laisser ici, toi? Espèce de pâle traître. Alors là, il y a beaucoup de piaf. Mais moi, ce qui est... Putain, les tortues. C'est frustrant quand même, hein. Tu vois tous les pâles là qui est du jeu, mais tu vois pas une seule tortue. Oh, il y a un donjon. Level combien le donjon à ton avis? Pourtant il level combien? Allez, une petite estimation, Serenity. Dans les 40. Level 40? Allez. Voyons voir, j'ai un petit 33, 35. 38. Ouais, tu t'es plus près. Coup dur pour le joueur français. Le piaf, c'est quand même infâme. Non, mais il y a une couille, gros. T'as pas une tortue alors qu'on a croisé toutes les espèces. Enfin, toutes les espèces, tu m'as compris, quoi. On a croisé un peu de tout plusieurs fois et. En plus, c'est des endroits où les téléporteurs. Vas-y, toi, hein. Très marrant, hein. Vais aller voir après là, là.
parti où, toi? Sur la droite. Sinon, j'étais en train de me dire s'il n'y en a pas là. Enfin, il n'y en a pas ailleurs, quoi. Ou alors vraiment. Le désert, quand même, il est. Il est big, hein. Regarde tout ce qu'on vient de faire en désert, gros. Ah, il est. Tuzaku, c'est un. C'est un boss. Et le. Les dinosaures. Un dinosaure aussi. De toute façon, il n'y est pas encore ici. Hein. Moi, ça me perturbe le fait que on n'ait toujours pas vu de tortue. Oh! Il y a un dragon. Tu sais, le dragon de glou là qui t'avait buté la dernière fois. Bah là j'en ai un terre que je dors moi. Ouais, peut-être que du coup de ce côté il y aura autre chose. Là il y aura. Ok. Là déjà il y a un. Hop. Un gros feuillu. What? Quoi? Quand tu es avec une batteuse, gros? Il attaque quoi, ce con? Mais il est à moitié arraché, lui. Ça, je crois que c'est la grotte du boss. J'ai une terre à se faire. Ils se battent contre qui, ces cons? Ils sont en train de se battre contre des arbres, je sais pas. C'est un mot qui a arraché, ce lore. Oh. Le beacon. 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 D'accord, donc il spawn ici, c'est déjà un truc de fou. Est-ce que ta fatigue en a un? Ah, j'ai la tortue! J'ai sur moi! Viens gros! J'arrive, Level j'arrive. 38, hein, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on gère de fou furieux. Hein. Là j'en ai une 35, une 37, sauf qu'elles sont côte à côte. Ouais, bah pour le moment, fais rien, gros, je suis en train d'arriver. Ah ouais, non mais là il y en a plein. J'ai pas l'intention de lancer le combat maintenant, je te rassure. Pourquoi il y a un trait là au milieu de l'écran? Ouais. Il y a une 37 solo. C'est peut-être mieux que la 38, même si c'est pas. Hein. Tac, je t'attends. Donc les amis, je reprends le rec après moult et moult péripéties. On va essayer, mais il n'y a rien de sûr. Je rêve ou. Ton pingouin vient de se faire one shot. Rappelle-lui avant qu'il se fasse one shot. Comme ça, ils Ouais, ont. c'est ce qu'elle fait. Comme ça, ils ont le temps de se faire heal. Ah bah j'ai pas eu le temps celui-là. Non plus. Ah, il a fermé la pierre. Il doit pas lui rester grand-chose, tiens. De quoi? Il doit pas lui rester grand-chose, hein.
Oh, il doit lui rester un HP. Bon, bah, pas le choix, hein. Putain, allez, go. Pas te battre, hein. Allez, pas te battre. Pas te battre avec eux là-bas. What, c'est... Ah oui, c'est ta tortue. Yep. Nice. Wow. Ah, elle était bien ta tortue, hein, franchement. Ah non, franchement, elle était. Wow. Elle était. Ouh. Elle était rendue comme un. Elle a pris mes couilles en plus, hein. Tac. J'ai l'impression d'affronter un boss. Attention. J'ai rappelé le mien. Essayons d'y aller à l'arbalète. J'ai fait du moins 14, moi. De travers, là. Ouah. Il a vraiment tronçonné l'arbre. Hein. Ouah. Mon bouclier vient d'y passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement giguer et essayer une terrasse fer, hein, après. Hein. Ouais, 4%. D'accord. La terrasse fer, elle a rien fait. Il me regarde d'en haut comme ça là. Ouh, il a failli me tronçonner le fiac. Tu fais quoi gros? Ton piaf? C'est le tien ou pas? Ah mais gros, sors plus de mes Pokémon maintenant. Oh non gros, je viens de me faire niquer le terrain. Fais gaffe parce qu'il y a l'autre, les autres. Il est aussi fils d'up. Je vais lui remettre une flèche. Scred. Et où? Et puis là, maintenant, faut plus les laisser. Faut qu'ils restent sur les arbres. Non. Ça me dérange pas. Faut qu'on se mette d'accord qui aimait les Pokéballs parce que. On engage pas mal, hein. Et je crois que c'est pas possible, en fait, de le... De le taper. Oh, j'ai cru que c'était fini pour moi. Oh, les tempêtes. Allez, une petite Terra, normalement ça passe. Allez là, Terra, wesh. Il t'en reste beaucoup, toi? Il me reste encore plus de cuisine comme, mais après. Après, j'ai que des bleus, hein. Tu en as envoyé une, gros? Attends, je finis la mienne.
Voilà, là tu peux, moi j'en ai plus des jaunes. T'as plus de. Oh. Non, non. Ah, et les verts ne fonctionnent pas sur lui. Non, non, les vertes ne fonctionnent pas, oh. Ah non. Je propose la kill du coup, hein, pour pas. Attends. Attends, les verres fonctionnent là. Vu les HP, c'est normal. Ah. Il m'en reste 5. Mais gros, attends que j'ai fini. Les wall. J'ai ma chatte qui me fait chier en même occasion. Après celle-là, c'est la dernière. Vas-y, du coup, après tu pourras envoyer tes vertes. Même si je pense que. Entre nous. Putain, dommage, hein, on l'avait géré, hein. Après mauvais. Ah, ça y est, plus de verts. Non. Alors, il a drop quoi? Minerai de métal et l'huile de. Ouais, bon, bah, les amis, du coup, ça va être compliqué de tam. De tam. En plus là, j'ai plus de volant quoi. Ah, oui, c'est fait one shot le dur. Ouais, bah il me reste mon cerf quoi. Wesh, il est au lance-roquette l'autre! Il est au lance-roquette! Moi ça va, je crois que j'en ai perdu qu'un seul. Alors le piaf, personne ne t'avait demandé ça. Il est où déjà le téléporteur? Il est derrière la montagne, ça. Hein. On va aller derrière la montagne. Et du coup, pour la fin de l'épisode, les amis, je vais vous montrer. Bah, je vais faire un accouplement. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment on fait. Ce sera le premier accouplement Tu as coupé quoi? de la partie. Des loups, là, c'est les chats que je t'ai montré tout à l'heure. C'est les chats un peu. Les chats des ténèbres, là. Ok. Tac, donc du coup, on se retrouve à la base, les amis. Tac, donc les amis, pour faire, on va dire entre guillemets, qu'ils fassent des petits enfants. Donc vous voyez, j'en ai un là. Tac, donc lui, je vais le prendre. Je vais le mettre ici. Je vais prendre le deuxième. Donc un mâle et une femelle, bien entendu, de la même espèce. Voilà, travail en cours. On mettait, bien entendu, un gâteau à l'intérieur. Et Non. là, accouplement en cours. Voilà. Et du coup, à savoir que Serenity est toujours. Et du coup, t'es mort, si j'ai bien compris. Ouais, j'étais en glider et j'avais plus de stam. Alors, glider, c'est le pire bailleur. Hein. C'est la pire invention, je crois. Hein. Tu savais pas que quand t'avais plus de stam, même en glider, gros, tu tombais comme une merde.
C'est qui a refait un coffre dégueulasse de pierre là? Tac. Hop. La pierre. Peut-être qu'il y en a 400. Là, il y a du éclat de palladium 124. Normalement, là, on devrait pas être trop mauvais pour faire des... Tac. Là, les amis, on range un petit peu les coffres. En même temps, en attendant que les deux là-bas ils finissent leur du coup leur accouplement. Parce que bon, ça c'est en fait ça tourne juste. Hein, c'est... Et nous en attendant, ça nous permet de ranger tout le reste. Tac tac. À savoir que ça va aller là. Et là tac tac. Par contre le blé. Il galère un peu. Il est pâle là avec le blé. En fait, tous les dragos de d'arrosage, enfin tout ce qui est pour l'arrosage, il est où lui, non? Je l'ai pas retiré pourtant. Il devait être bugué. Du coup. Hop, c'est bientôt fini. Simple, famine. Attends, tac. Je suis en train de crier famine, mais il dort. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre dans mon deck 2 secondes. Pour éviter qu'il tombe KO. Serait pas une mauvaise idée. Et là du coup, blessure légère, il peut retourner travailler. Parfait. Tac, du coup ça. On va le mettre 2000. Ah ouais, 2000, ouais, c'était... Il est aussi débugué. Oh bah putain. Moi, tu es en train de se cramer dessus. Pourquoi tu refuses de travailler, toi? Travaille, dépêche-toi. Voilà, mais c'est pas fini. Voilà, c'est bien. Du coup, là-bas, ça va bientôt être prêt. Nos œufs, à moi et Serenity. Il y en a dans 1 minute. T'en as un qui est prêt, toi, Serré. Yep. Dans 1 minute 30, les amis, on pourra faire un petit opening des gros œufs que j'avais ramené du justement du désert de feu là, enfin du feu pardon, parce que le désert c'est encore là. Et eux du coup, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, ça fait un œuf sombre. Bon, malheureusement c'est un peu en tout seul, mais du coup on peut quand même le prendre. Bon, tac, on peut le prendre. Donc là, on a un œuf sombre. Donc, c'est-à-dire, forcément, on va avoir une de ces bestioles. À savoir que l'accouplement, c'est bien si... Si, par exemple, vous voulez monter votre... Genre, dans la salle d'enrichissement, donc dans ça. Ça va être ultra utile. Ou alors, d'en capturer énormément. Après, à savoir que l'accouplement, c'est ce qu'il y a de plus rapide et plus simple. C'est juste des gâteaux et vous voyez, en fait, vous pourrez en sortir très rapidement et sans aucune pression. Regardez, ils sont déjà en train d'accoupler, en fait, s'accoupler, en fait, sans même que je leur dise, parce que il y a du gâteau. Donc là, ils vont me sortir 3 œufs sombres.
où il y aura trois trucs comme ça. Et en fait, ils vont continuer quand même à s'accoupler. Et tant que j'aurai pas mis de gâteau, ils sortiront pas d'œufs, en fait. C'est surtout ça qu'il faut voir. Après, moi, personnellement, je vais en faire pas mal. Parce que, forcément, il y a la chambre d'enrichissement. J'en ai besoin d'une très très grande quantité de ce genre de pales. Après, ce qu'on va faire, c'est que. Prochain épisode, on s'attaquera au boss pour faire la tour. Pour pouvoir débloquer ce truc. Ou alors, j'irai peut-être entre-temps faire un boss qui traîne pour avoir un point suivant. Bon, lui, par exemple, pour rien, j'aurais pu le faire. Tac. Du coup, t'as eu quoi de beau, toi, dans ton œuf mouillé? Pas comme d'hab, hein. Ah. Alors, moi, attends. We are the champion, my friend. Ouais, je peux faire de l'accouplement de Painking, tu sais. Alors encore? Oh gros, mais non, mais non, mais non. Je suis un monstre, je suis monstrueux. Je suis refait, les amis. Les amis, vraiment. Il y en a un parmi les deux, je l'attendais. Et le deuxième, c'était vraiment un truc que je voulais et que je n'avais pas eu encore. Regarde, c'est vrai. Donc ça, c'est le premier. Lui, c'est mon préféré, hein, à savoir. Hein, il fait partie de mon préféré avec le lion. Et du coup, celui-là. Celui-là, Fafi, il l'avait eu. Il l'avait eu. Il l'adorait de fou. Du coup, attends. Lui, il a deux en feu. Lui, il a deux en feu et un en bois. Et lui, ok. Donc, celui-là, je vais les garder ici. Tac, Gwyn, tu vas aller là. L'incinérate là. Et je me ferai un deck en fait selon déjà mes préférences, premièrement. Et aussi, faut qu'ils attaquent. Parce que le problème c'est que lui il est pas. Lui il est juste là parce que je peux pas encore monter celui-là. Mais autrement, moi j'ai normalement celui-là là. Et le problème c'est que j'ai trop de types sombres. Donc soit je garde Incinérate, ou soit je garde celui-là. Sauf que là, ils sont équivalents en tout quasiment. Sauf que Incinérate, il a un tout petit peu plus de défense, mais lui il a un peu plus d'attaque. Lui il a plus de vitesse de travail. Voilà. En dedans, masochiste, pardon. Impulsif, lui, il est brave. Donc lui c'est un full feu là. Apparemment j'ai que des trucs de feu. Et lui c'est full ténèbres. Donc en fait, ça se trouve, je pourrais enlever lui. Je pourrais enlever Incinérate et mettre du coup celui-là ou celui-là. Pourquoi le truc c'est que je pourrais assembler deux éléments en un. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment je vais envisager du coup mon deck par la suite. Parce que je voulais aussi mettre celui-là, là, c'est un haut. Il est. Le Azorob là, il est assez énervé. Lui, il est pas mal, mais il fait très peu de dégâts. D'ailleurs, 340, 275, 306 et 298. Donc, à la limite, si je dois en retirer un, ce sera lui là, mais c'est un type herbe. Et en type herbe, j'en ai pas 50 000. Hein. J'ai. C'est le bordel dans mon deck. J'ai l'autre là, l'autre qui est à la base là-bas, mais on s'en sert pour la plantation. Je sais pas, les amis. Je sais pas ce qu'on fera, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre abonnement, votre like, c'est gratuit. Et un petit commentaire si vous avez peut-être des strats à me donner dans les commentaires pour Tam. Pour qu'on ait par exemple notre échec avec la tortue, ça peut pas toujours être un. De toute façon, une victoire. Notre échec se reproduise plus avec la tortue. N'hésitez pas à nous donner des petits conseils dans les coms et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss tout le monde.